Voilà, on était en train de prendre notre petit déjeuner habituel, des courgettes et de la moutarde. Et c'est là qu'on a en fait, on a remarqué quelques signes des Illuminati. Comme sur cette boîte de langue de chat. Par exemple, la boîte de langue de chat. On a remarqué qu'en fait, là, il y avait un bout de chat, un autre bout de chat. Donc on peut clairement voir que ça faisait un triangle. Exactement. Avec pour le centre, ce coin-là avec ce coin-là, et l'intérieur qui forme un œil. Comme par hasard. Après, on peut remarquer aussi que ce bout est croqué. Ça veut dire que les Illuminati ont déjà mangé des langues de chat. Ça fait une bite. On peut encore remarquer, encore plus pervers, que si on ajoute un E ici. La date. On voit bien 4 moins 10 égale 6. On peut aussi voir que c'est une sélection des Templiers, comme dans Assassin's Creed 3. Hein. Et on sait que leur chiffre favori est de 6. En sachant qu'il y a 2 sachets. 2 x 3, 6. C'est évident. C'est bien là. Donc voilà. Sur cette boîte d'Amora aux œufs. Donc un œuf, c'est quoi? Ça a une forme ovale, ça fait un œil. On est bien d'accord. Un poulet, c'est quoi un poulet? Si on représente ça à caricature, ça fait un triangle. Et l'air, c'est des petits points. Donc si on rassemble tout ça, ça fait un poulet avec un œuf à l'intérieur et des petits points. Donc voilà. Ensuite, on atterrit vers le point net, ça fait 470. C'est le chiffre de l'ange. On ajoute un U, ça fait un nuage. Sur 2, ça fait 666, bien évidemment. Après, on était en train de... On voulait manger une courgette, en fait, et en voulant la râper... Alors, en voulant l'éplucher, on a trouvé ça. Voilà. On voit clairement un triangle qui pointe directement vers New York. Qui veut dire que les attentats du 11 septembre sont reliés à cette courgette. Ouais. Voilà. En plus, la couleur verte. Voilà. Qui rappelle très bien Satan. La chlorophylle, ouais. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, nous avons bien sûr le café du bois. Le café. Alors, les cafés du bois, on remarque le monsieur qui boit son café. Et si on fait ça. Là, on peut voir. C'est un œil. L'arme du diable. Et là, on les voit cornes. Les cornes. Évidemment. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'entourer le monsieur qui boit son café? Voilà. Donc, on voit que le monsieur qui boit son café est entouré en bleu. Donc, c'est le diable. C'est le diable en personne. Voilà. Voilà. On peut aussi voir par ici. On voit très bien la forme de l'œil. C'est un œil. Et en plus, si on fait la tangente par rapport à la luminosité là, du café, exactement. Ça fait un triangle. Un triangle illuminatif. Et bien sûr, en dessous, il y a Arabica, qui signifie arabe. Ça veut dire les arabes sont en dessous des Illuminati. Exactement. Ça veut dire on est les soumis. Et ensuite, on a quoi? En dessous des arabes, on a une courgette. Voilà. Donc voilà, on vous a montré à l'aide de ces 4 produits que les Illuminati nous contrôlaient du début à la fin, de la courgette à la courgette. Et donc voilà, merci.